Bonjour Adama Victogo. Bonjour. Quelle est l'étape à venir maintenant dans le dialogue politique ivoirien? Pour moi, le premier rendez-vous important, c'est le 6 mars, la législative. Pour nous, c'est un nouveau départ. J'invite l'ensemble des acteurs politiques au sens de la responsabilité pour que définitivement, avec ces élections législatives à venir le 6 mars, que nous puissions tourner la page des violences qui ont entraîné des pertes au plan matériel et au plan humain. De votre point de vue, la question de la réforme de la commission électorale indépendante qui avait fait polémique avant l'élection présidentielle est réglée pour ces législatives à venir ? Absolument, absolument. Je crois que pendant le dialogue politique, nous nous sommes accordés pour dire nous allons à des élections locales dans les CI locales. Au niveau de la commission centrale, le président a donc réitéré son engagement à céder un poste au PDCI qui lui permettrait de bénéficier plus tard, au nom de l'opposition, d'un poste de vice-président. Donc pour nous, ce sont des éléments qui doivent aider à la décrispation. Il y aura des élections pour nommer de nouvelles CEI locales dans les semaines qui viennent ? Le temps qui nous est imparti est suffisant. Notre position est positive pour la reprise donc d'élections locales, mais c'est à la commission électorale d'en décider. Mais avant le 6 mars, vous ne vous installerez pas pour discuter à nouveau et approfondir le dialogue politique ? Je crois qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure des acteurs politiques, c'est que nous puissions aller à ces élections législatives et qu'au lendemain de ces élections législatives, ensemble, nous puissions regarder la Côte d'Ivoire à travers donc sa nouvelle cartographie politique. Évidemment, dans le discours de fin d'année de notre président, le président Alassane Ouattara, il a indiqué une possibilité de rencontre avec le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié. Donc, il peut avoir des rencontres, certainement entre les présidents, mais pour l'heure, ce que nous retenons, c'est l'engagement partagé de l'ensemble des acteurs politiques à la participation aux élections législatives à venir le 6 mars. Est-ce que la tonalité des vœux du président Bédié, qui avait retrouvé une position de refus en parlant de la forfaiture du 31 octobre, en parlant d'un simulacre d'élection et d'un troisième mandat inconstitutionnel et illégal, est-ce que cette tonalité remet en cause la dynamique politique du 11 novembre ? Non, vous savez, je pense que le président Bédié ne s'adresse pas aux Ivoiriens, il s'adresse à ses militants du fait de l'échec cuisant qu'ils ont eu en appelant à boycott. Non, je crois qu'il faut rester serein. Et justement, les deux présidents avaient convenu de reprendre leur dialogue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Est-ce qu'on a une date pour cette nouvelle rencontre ? Je crois qu'ils ont annoncé tous les deux deuxième quinzaine. La rencontre devrait avoir lieu. En tout état de cause, ce que nous devons retenir, c'est que il y a une volonté partagée de se rencontrer. Je pense que de part et d'autre, il y a eu des pas qui ont été faits, lesquels pas ont instauré un climat de confiance. Donc naturellement, la liberté provisoire du président Finguesson s'inscrit dans ce dialogue politique. La remise du passeport au président Gbagbo s'inscrit dans cette décrispation, même si ceci s'est fait avant le dialogue politique, mais ce sont des composants du dialogue politique. Justement, Adama Victogo, est-ce que Laurent Gbagbo pourra revenir en Côte d'Ivoire avant les législatives du 6 mars ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais ce que je sais, c'est que lors de notre dernière rencontre du dialogue politique, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donc indiqué aux forces de l'opposition qu'il devait recevoir le secrétaire général du FPI version Gbagbo Laurent en la personne de M. Assou Adou pour évoquer avec lui les modalités certainement de son retour. En tant que parti politique, nous, ce que nous retenons, c'est que les élections législatives à venir sont des élections complètement inclusives, d'autant plus que aussi bien le FPI dans toutes ses versions que le PDCI ont donc annoncé leur participation aux élections législatives qui, de mon point de vue, vont être le point de départ de la décrispation totale dont a besoin notre pays. Est-ce que le gouvernement qui va conduire le pays jusqu'à ces élections législatives est le gouvernement actuel ou est-ce qu'on se dirige vers un remaniement de l'équipe gouvernementale ? La meilleure façon de mettre en place un gouvernement au lendemain d'une élection, c'est un gouvernement qui naît de la nouvelle catégorie des élections législatives, ce qui permet de reconsidérer les forces en présence. Mais je m'en tiens
à la décision que le président voudra bien prendre au moment opportun. Adama Mick Togo, merci. Merci à vous.